Salut à tous les amis, c'est HPress774. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver sur un jeu qui a marqué mon enfance. C'est GTA San Andreas. Alors c'est le premier GTA auquel j'ai joué. Je ne l'ai pas eu personnellement, mais j'y ai énormément joué chez des amis. C'est pour moi le meilleur GTA avec GTA 4. C'est un copier-coller d'un des meilleurs jeux de la PS2. Graphiquement, y a des choses qui ont très très mal vieilli, par exemple les textures qui sont particulièrement moches ou les polygones qui sont assez simplistes. Mais il y a des choses qui n'ont jamais été vues sur iPad, étonnamment. Et graphiquement, du coup, ça reste pas si mauvais que ça. Notamment les ombres de tout ce qui se déplace. Donc c'est une première. La grandeur de la map. Voilà, hein. C'est pas des maps de tapette, hein. C'est San Andreas, voilà, ça fait déjà une sacrée map. Regardez la modélisation de la voiture, enfin, ça peut paraître simpliste, hein. On n'a jamais vu en tout cas un GTA like aussi bien fait. Je sais pas si vous avez déjà joué à Gangstar Vegas par exemple le dernier. On a l'impression que tout est miniaturisé, c'est-à-dire que c'est que des personnages miniatures et que c'est des voitures miniatures et qu'en fait voilà, c'est un jeu où tout est petit, comme dans notre iPhone. Et là, dans ce jeu-là, on a l'impression que c'est vraiment taille réelle. Il est violent ce monsieur. Voilà. J'ai tout cassé, c'est pas grave. Oulala, je suis très mauvais conducteur. Ah, il y a un magasin de fringues. Pourquoi, quand je lance la vidéo, je retrouve avec des missions dans des magasins de fringues? Allez, va se changer. On va regarder ce que ça peut donner. Les t-shirts LS, c'est quoi ça? Ouh, allez. Moi je dis, on garde ça. Ouais, non, il doit représenter un gang quand même. Voilà, trop le swag. Bon. On achète et on se barre. Oh, il y a la salle du muscu. Bah attendez, on va aller voir ce que c'est la salle du muscu parce que c'est juste à côté du coup. Si j'essaye direct 44 kilos, est-ce qu'il meurt? Putain, vous savez que c'est pas si facile. En fait, comment il fait? Parce que le gars, il a un corps de lâche et il arrive à porter 44 kilos comme ça. Hein, parce que c'est pas rien 44 kilos. Hein. Bon, il faut savoir que je fais 10 à chaque bras. Hein, et c'est déjà pas facile. Alors, il a le même corps que moi. Vas-y, 44, laisse tomber. Salut mon bonhomme, c'est moi. Alors on attend que j'arrive à trouver mieux, pour filmer que ça là, c'est-à-dire un boîtier d'enregistrement. Dites-moi si ça vous va ce mode d'enregistrement là ou si c'est vraiment trop la merde. Parce que moi je trouve que ça va, c'est regardable, mais est-ce que vous ça vous dérange ou pas? Putain, comment elle patine les voitures. Oh mais attends, ouais, on dirait que je roule sur de la glace quoi. J'ai jamais roulé sur de la glace d'ailleurs. Mais bon, enfin en vrai, je sais pas comment ça fait de rouler sur de la glace. Ah, j'aime pas ce gang. Mmh, allez hop, je m'en vais. Voilà, la police elle m'évite. Même pas elle s'arrête pour me dire oh, monsieur, vous faites des choses un petit peu dangereuses. Par exemple, voyez, là où ça a très mal vieilli, par exemple, c'est l'eau. Vous voyez, l'eau ne ressemble à rien par rapport au jeu que je vous ai présenté il y a deux jours. Oh yeah, il faut que je rattrape un gars et que je le bute. Non, il est pas sérieux, mais le gars il passe par tous les petits trucs. Allez, allez. Putain, c'est quoi ce poteau là? Depuis quand on est en moto et qu'on se prend une... Bah tiens, on tombe. Et il est en dessous. On passe. Bébé, remonte. Mais qu'est-ce qui vous a pris de descendre aussi, vous, là? Oh. Voilà, voilà. Voilà, il s'est tiré. Ah, voilà, là, j'ai tout compris parce que j'ai regardé la cinématique. Le gars, c'est un lâche. Putain, mais il s'est pas visé aussi, mon gars, là. Bon, les gars, ils tiennent quand même vachement bien sur la moto. Les gars, c'était... Eh, je passe. Voilà. Non, mais merde, là aussi. Allez, vas-y, c'est reparti. Monte, vite. Je vais avoir perdu encore. Oh, voilà, il s'est tiré, putain. Oh, vas-y. Ça, c'est pas évident à prendre, elle est pas évidente à prendre cette route. On dirait pas comme ça, hein, mais... Allez. Non. Putain, mais ça prend n'importe quoi dès que tu prends un peu de vitesse, hein. Oh là là. Je m'attends en bas. Il est là. Je l'ai vu. Non. Vas-y, remonte vite sur la bécane là. Voilà, c'est bon. Jusque là ça va. C'est moi le gars, t'es en vélo. Je vais plus vite que toi. Je vais freiner un peu, si ça te dérange pas, parce que moi ça va trop vite pour moi là. Putain de connard de... Le gars il s'est pas visé quoi.
Je suis passé. Ah d'accord, je peux descendre. Ah. Ah. Il est mort. Donne-moi les sous. Non, il y avait des sous. Je voulais les sous. Putain merde, j'ai 2 étoiles. Bon, remonte là. Bon, tu montes là. Parce que bon, hein, voilà, voilà. Non mais monte, gars. Voilà, attends, faut descendre et remonter, gars. Oh là là, le gars. Là 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 là. Il est où, mon... Vas-y, copain, t'es en dessous. Vas-y, grimpe. Le policier, il est bloqué parce qu'il y a un mur entre nous. Sors, gars. Allez, vas-y, grimpe, 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 mon... Ah, putain, il est mort. Eh ben, c'est sur cette mort qu'on va se laisser, hein, parce que, bon, ça m'a saoulé. Voilà, c'est comme ça. Le gars, la police, qu'est-ce qu'elle faisait là? Non, c'est rien. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Ciao tout le monde.